La cantine. Le boudin noir purée. Ou l'andouillette purée. Menez-moi au bout de la terre. Menez-moi au pays des merveilles. Pour cette commémoration, Laurent, oui Michel. Je te fais chevalier de l'andouille. Merci. Je vais essayer de respecter ce talisman jusqu'au bout, Michel. On caramélise dans une poêle chaude. Poêle Tefal chaude. Enfin, ou une autre marque. Hein. En tout cas, non adhésive. C'est non ça, adhésive. Alors là, c'est vraiment au choix. Ça, c'est on fait tu comme veux, c'est qu'on veut. Avec un copain bébert, on montait au sommet de la porte horloge la nuit et on avançait ou on reculait l'horloge d'une heure. On était déjà en avance sur l'heure d'été. Regardez le monde ce matin à Montluçon. Allez, Montluçon, c'est incroyable. Ouais. Je la vois Bernadette, on s'écrit souvent. Tu vois Bernadette, avec alors, son sourire. Alors Bernadette, comme dirait Rulio, tu n'as pas changé. Vous passez plus de temps avec Izia qu'avec votre femme bien parfois, sûr. Non ah, oui. C'est sa ville natale, hein, à Michel, il est vraiment chez Est-ce lui. Est-ce que tu sens l'andouille déjà? Il m'arrive de dormir dans le panier et de manger des croquettes. Ah bon. Regardez la panthère rose, il a mis l'impair de Peter Sellers, bon, la panthère rose de la télé, Pierre Bonte. Un petit orbe. Un petit orbe. Rue Desgnaux, je disais à mes parents, je suis rue Desgnaux pour réviser mes leçons avec une ancienne institutrice. Et l'ancienne institutrice s'appelait Jocelyne, elle avait 15 ans. D'accord, ok. Petit arbre, drôlement grand comme petit arbre. C'est... Ben regarde, tiens Fred, t'as le fumier, viens voir. Moi... Mon oreillette me dit que... Voilà, donc vous avez tout vu. Christophe, notre rédacteur en chef. Les coulisses. C'est un parchemin, une peau de bête. Mmh. Et surtout... C'est une invitation. L'oreillette me dit donc que tu reçois une distinction pour le travail effectué depuis plus de 25 ans à la télévision, depuis plus de 3 ans dans Midi en France pour l'excellence de ton travail. Parlement un petit peu. Oui, le journaliste primé pour le patrimoine. Bravo. Je vais remonter cet après-midi à Paris pour recevoir au Palais Brongniart effectivement le prix du journaliste qui a le mieux défendu le patrimoine, mais à travers le travail de tous ces gens qui, eux, restaurent vraiment le patrimoine. Moi, je ne suis que la courroie de transmission. Régiment des fromageurs, sans maths, sans guerre, contre les camemberts. On chantait ça à l'école, hein. Oui, c'est ça. C'est ce que chantait à l'école. Vincent Ferniaud, pardonnez-moi, m'a dit je vais faire une pompe. Oui, absolument. Ça, on te connaît, va. Ah, garde-le. Nicole, elle te trouve charmant aussi, Laurent. Ah, mais Nicole a beaucoup de goût. Je lance mes morceaux de poulet. Ah, les lance pas trop loin. Pour les faire quand même. En face, ils sont prêts à les rattraper. Voilà, pour les faire. Ah, là, c'est fréquemment. Ah bah parfait, ça va être bien pour l'hiver. Quand on va attaquer la saison décembre-janvier, tu vas être parfaite. Tout à l'heure que vous trouviez Pierre vraiment magnifique. Non, j'ai trouvé qu'il était toujours pareil. Comme, voilà. Comme quand je le regardais toujours à la télé.